se loguer avec le compte Edu sur Geniali. On trouve Geniali, je vous l'ai dit, en faisant genial.ly. Et une fois sur Geniali, on peut créer un compte gratuit ou on peut, quand on est enseignant, utiliser son compte Edu parce qu'on peut se connecter avec un compte Google. Donc je vous montre ça, mais vous pouvez tout à fait créer votre compte avec une autre adresse email, par exemple. Donc c'est juste, si vous avez envie d'utiliser votre compte Edu, sachez que vous allez ici sur Continuer avec Google. Vous mettez Edu tiret votre nom et la première lettre de votre prénom, ce que vous utilisez usuellement hein, sur Mémo, la messagerie, etc. @eduge.ch, puis suivant. Ça vous redirige sur cette mire, on appelle ça une mire, d'identification école en ligne. Et là, vous reconnaissez, vous mettez à nouveau ID, edu-nom, première lettre de votre prénom et votre mot de passe habituel, puis se connecter. À noter qu'ici, hein, vous n'avez plus besoin du mettre @eduge.ch puisque il sait qu'il est sur geneveid.ch, donc vous ne mettez plus ici le @. Voilà, Geniali vous connecte avec votre compte, il vous demande si vous êtes dans le domaine de l'éducation ou autre. Alors vous pouvez remplir ce qu'on vous demande. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit tour proposé par Geniali pour découvrir tout ce qui existe. Mais je vous laisserai le faire seul. Voilà, vous avez des petits tutoriels si ça vous intéresse. Et sinon, vous sortez de tout ça et voilà donc à quoi ressemble Geniali avec la possibilité de créer plein de petites applications. On retrouve en ça hein, l'idée et la philosophie de Learning Apps ou de H5P. Nous, donc ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est essentiellement les présentations, mais on va prendre, si vous voulez, un petit moment pour voir les gamifications et voir qu'il y a la possibilité de créer des petits jeux. Donc c'est plutôt ici que ça va nous intéresser. Donc typiquement, hein, on va retrouver les possibilités de faire des Pac-Man, des jeux de loi, des roues à tourner. Alors je vous laisse parcourir tout ça. À mon avis, ce n'est pas là la grande force de Geniali, c'est vraiment dans la possibilité d'intégrer toutes ces formes de petits jeux dans des présentations très riches.